Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 4 Chevat. Alors c'est le Pourim de Stanislav, où les Cosaques ont laissé en l'année 1744 la communauté tranquille. Et ils ont compris que c'était un jour de fête pour la communauté de Stanislav, jour de Pourim, Pourim local. C'est l'Aïloula aujourd'hui de Rabbi Moshe Leib de Sassov, un grand maître de la Chassidoute, né en 1745, Niftar, décédé en 1807. C'est un maître qui était connu pour son amour de son prochain. Il disait, toute personne qui n'a pas au moins 1 heure par jour, c'est pas un homme. Combien il est facile pour quelqu'un qui est pauvre d'avoir confiance et d'avoir confiance qu'en Dieu, parce que sur qui peut avoir confiance? Alors que quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a des moyens, il va avoir confiance dans ses moyens et avoir plus de difficile à avoir confiance en Dieu. Le chemin pour aller voir au monde futur est aussi étroit que le fil d'un couteau. Et il dit aussi, j'ai appris combien on doit aimer son prochain d'une discussion qu'il y a entre deux non-juifs. Où l'un dit, est-ce que tu m'aimes? L'autre a dit, bien sûr que je t'aime. Il a dit, mais tu sais même pas quels sont mes besoins, quels sont mes manques. Comment tu peux savoir si tu m'aimes? C'est aussi aujourd'hui le Yahrzeit de Ravi Yechiel Yaakov Weinberg, qui est auteur du Sridehesh. Ce rave atypique est né en 1884, pardon, et il est décédé en 1966. Il était l'élève des grandes yeshivot de Mir et des Slobodka en Lituanie, l'élève de grand maître du Moussar, comme le Rav Naftali Amsterdam. Et d'un autre côté, il va être élève dans l'université de Berlin en 1923, où il fera un doctorat sur la syriaque, traduction en syriaque de la Torah. Il sera le directeur du séminaire rabbinique de Berlin jusqu'à la nuit de cristal. Il sera un des maîtres dans le ghetto de Varsovie, des grands maîtres du judaïsme. Et après-guerre, il sera dans la Yeshiva de Montreux, Yeshiva Etzraïm, où il du Rav Botchko. Enfin, celui qui est le plus connu de l'Aïlot aujourd'hui, c'est Baba Salé. Baba Salé, Rabbi Israël Abouhatsera, né le jour de Rosh Hashanah en 1889 et décédé Niftar, comme aujourd'hui en 1984. Grand rave connu pour tous ses miracles et à Netivot, où se trouve son kever, sa tombe, eh bien c'est un lieu de pèlerinage assez important. Baba Salé, c'est le maître qui prie. Salé, c'est qui prie. Alors qu'il priait par le mérite de tous les tzadikim que je vous ai cités, qu'on ait une excellente journée, de bonnes nouvelles. Baba Salé, itano. זכור תילנו מגן בצינה דלת בשבט יום ההילולה יום גדול ונורא תשמח נגיל בזה הלילה בקדושה ובטהורה נעצום את העיניים ונזכר בהוד דמותך שזכה לראות פניך ראה מלאך